C'est la magie du Dictour. Et le Dictour, c'est maintenant! Donc je voulais vraiment du fond du cœur vous remercier de l'énergie que vous avez mise, déjà de l'accueil que vous nous avez offert, et puis de tous les moyens humains, de bonne humeur, de gentillesse, de ce qui fait aujourd'hui qu'on a encore des vraies valeurs communes et qu'on se retrouve tous. En si peu de temps faire un truc comme ça, c'est pas aussi simple. Donc il faut franchement y croire. Donc je lui dis bravo. Bravo pour ce qu'il a fait, bravo pour ce qu'il va faire ici, et bravo pour ce qu'il va faire sur les trois prochains dictours. Le fait de pouvoir, sur deux jours, recontacter, revoir des fournisseurs, des clients, des gens à l'extérieur, comme ça, c'est très agréable. Vraiment merci, merci à toi et ton équipe. Vous avez fait vraiment un travail splendide. On peut vous souhaiter que ça perdure dans le temps. Et c'est vraiment avec grand plaisir et grande joie que je partage ce moment avec vous. Bienvenue dans la grande famille. Et encore une fois, faites-vous plaisir sur le Dictour. Bienvenue à tous. Merci. C'est la battle, le jeu inventé pour le Dictour. 4 candidats la première semaine, 5 la deuxième. Étape 1 à Lyon, étape 2 à Metz. Ils s'affrontent pour avoir un poids total roulant autorisé de 44 tonnes. Le plus proche de 44 gagne. Mais attention, l'égalité oblige, il ne faut pas dépasser. Vous voulez connaître le candidat qui a réussi? Eh bien la réponse, c'est maintenant! Patrick, est-ce que tu es chaud pour... Il n'y a pas de souci. Tu vas y arriver? On verra bien. Je pense que je suis un peu trop court. C'était dur? Bah, dur, non. Je fais ça toute l'année.
Bonne chance, Jérôme. Allez, c'est merci. Il en faudra. Le premier qui est passé, on voit la maîtrise, quoi. C'est... Il y a une différence au niveau. Je ne serai pas vainqueur. Bah, je m'appelle Björn. Björn van Kampfort, je suis service technicien chez Hyundai. Et on va essayer un Kobelco maintenant. Hein. Bonne chance, Björn. Ouais, merci beaucoup. Ah, 29 tonnes, je pense. Oui, je ne suis pas sûr, mais je pense. Moi, c'est Romain Grasse, société Technimat, concessionnaire Hitachi sur le secteur. Et Gaël et Indéco, voilà. Je sais pas, je suis peut-être un peu plus que ce qu'il ne faut. Mais à mon avis, on n'est pas loin du compte. Alors, on va voir, hein. Moi, je compte pas les godets, donc je me fie aux fonctions de ce qu'il y a dans la benne. Après, ouais. On verra bien. Tu penses que t'as fait combien ouais, 44, je pense pas, mais peut-être ouais, 42. Ah, comme le dirait Denis Brognard, on n'est pas à Koh-Lanta, mais sur la carrière de Jaumont. Et qu'est-ce que vous voulez voir? Les résultats, enfin. Les 5 candidats qui sont affrontés ont tous joué avec les mêmes instruments, la même pelle, le même camion. Et la bascule! Qui est-ce qui gagne? Eh bien, la réponse, c'est maintenant. Le petit timide, c'était Jérôme. Il voulait vraiment bien faire, il n'a rien abîmé, mais il est bien en deçà. Le deuxième, c'est Patrick. Patrick, il est à l'aise dans une pelle de 100 tonnes, il n'y a aucun problème. Et il avait peur d'en faire trop. Résultat, il arrive à 37 tonnes. Björk a fait un score très honorable de 39 tonnes. Notre ami Romain, il a frôlé la perfection. À 140 kilos près, il remportait la palme. Mais avec 140 sur la balance, il sort. Benjamin, lui, a su gérer à perfection. Il arrive à 42 600 kilos. C'est donc lui le grand gagnant de la semaine. Pour le prochain challenge, on se retrouve à Paris. C'est la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le Dictour, c'est maintenant! On va aller à combien de mètres là? 39 mètres. 39? Ça fait beaucoup? Non. Comment tu te sens du coup là? Bah ça va. Un peu fébrile. Venez, c'est là-bas que ça se passe. Sous la tente.
très rapidement, qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui à cette édition de Metz ? Eh ben, en fait, on présente le système ID, qui est un système de guidage pour pelle. Alors, nous, on présente l'ensemble de notre gamme, donc tout ce qui est système de positionnement, guidage d'engin, en fait, pour les engins de terrassement, et puis aussi le pesage embarqué. Aujourd'hui, on présente des prises roches rédoliques, qui sont ici. On a aussi des CPA et des perforateurs hydrauliques qu'on met sur des machines de forage. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui au Dictour à Metz ? Une RISA, une RT400 VS. Eh bien, écoutez, nous on expose les pneumatiques de la marque BKT et de la marque Nokian. On est venu avec une pelle 21 tonnes, ainsi donc une nacelle qui peut nous emmener donc jusqu'à 60 mètres. Alors actuellement nous présentons ce qui est notre cœur de métier. Nous sommes constructeurs de matériel de transport type porte-engin que vous pouvez voir effectivement sur la partie à côté du salon. Nous avons une grosse pelle pour les carrières en 30 tonnes, une grosse chargeuse de 6 mètres cubes derrière. On a la grosse nouveauté, c'est la 50 tonnes qui est en essai là en ce moment, et la Blade Runner, c'est un modèle, donc c'est notre pelle de 16 tonnes avec une lame avec des fonctions tilt 6 voix. Quelques machines Hitachi, la toute nouvelle 135, la nouvelle ZX350 LC-7, un petit skid loader Gale et la pelle à pneus ZX180, nouvelle série. On présente une large gamme d'outils de démolition. On a la SU22 équipée de l'Arden Jet, on a la S1402 pince de tri avec un BRH sur une pelle de 21 tonnes hybride. Tout ce qui est fourniture d'équipement pour les pelles et mini-pelles de l'ensemble des marques présentes sur le marché. On présente surtout du matériel en dynamique. On présente une pelle de production, une HX330 ANL, qui est équipé d'un moteur Cummins 9.2. Et puis dans la carrière, dans le fond de la carrière, en fait, on a une chargeuse à transmission continue avec de 26,5 tonnes, donc une grosse chargeuse avec un gros godet de 5 m3 et demi là. Il faut se faire plaisir, c'est des super bécanes. Venez, enfin voilà, en plus il y a une super ambiance, il y a des super personnes autour de nous qui nous font des grands sourires, ça va, et donc c'est génial quoi. La carrière de Jaumont, deuxième étape du Dictour après Lyon, Metz. Formidable accueil de nos amis chez Vaglio, une carrière mythique sous un soleil radieux. Les mecs, un public d'enfer, des visiteurs, des exposants en nombre, des machines. On en a cramé du GNR, c'était formidable. Une expérience à revivre la semaine prochaine à Paris. On vous attend chez Cifral jeudi et vendredi prochain parce que le Dictour c'est maintenant, mais ici c'est Paris.